au nom donc du président de la, du président du Parti du Renouveau démocratique, nous déclarons officiellement installer les sections de Bonou, d'Adjoum et de Dango, ainsi que les sous-sections de ces trois communes. C'est la commune d'Adjoum qui a abrité ce samedi 17 novembre 2018 les structures de base du Parti du Renouveau démocratique PRD dans la vallée de l'Ouémé. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des préparatifs du congrès du Bloc Dynamique Républicaine prévu pour le 25 novembre et dont le PRD est la cheville ouvrière. Les sections et sous-sections de Bonou, Adjoum et Dangbo ont été présentées aux têtes couronnées, militants et sympathisants du PRD, par Raphaël Debedji, président de la section PRD de la vallée de l'Ouémé. Le représentant du ministre Serge Arissou a pour sa part invité toute la région à se mobiliser afin de faire de la réforme du système partisan un succès. Je vois devant moi, sur l'une des bâches, Talon l'a voulu, le président Rumbedji l'a porté, Arissou Serge Maouedo s'engage avec le PRD dans la dynamique républicaine. Donc je voudrais en son nom inviter toute la vallée de l'Ouémé à se mobiliser derrière le président Adrien Rumbedji et le président de la République pour que les jours à venir, nous puissions porter haut le flambeau que défendent depuis des années des femmes et des hommes vaillants que vous voyez devant vous ce soir. Quant à David Godonou Honsa, président de la section PRD d'Adjoum, il a affiché la détermination de sa section pour faire de la dynamique républicaine un bloc gagnant avec comme pierre angulaire le PRD. Dynamique nouvelle, disais-je, consolidera davantage l'enracinement du PRD dans la région. En conséquence, nous restons mobilisés et nous le serons davantage pour de plus grandes victoires. Premier test, la réussite du congrès le 25 novembre prochain, avant la bataille des législatives de 2019, où la dynamique républicaine devra démontrer sa force.